Bonjour, alors comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, franchement, il n'y a rien à dire sur le maître de midi Émilien. Je suis quand même allé faire un petit tour sur Twitter pour voir ce que les gens pensaient et vous allez rigoler parce que j'ai trouvé des critiques. Allez, c'est parti mon kiki, c'est bizarre tout d'un coup Émilien excelle alors qu'au début il n'était pas si fort. Même des questions où l'on ne sait pas, il tombe juste comme par hasard, l'étoile mystérieuse se révèle et la cagnotte augmente, c'est bon pour les SMS surtaxés. Ensuite, Émilien est un gros tricheur, c'est tellement cramé, MDR, la réponse est toujours l'autre, en plus ça c'est pas vrai. Le mec sait en quelle année est née toute la planète, mais crois que Big Flo et Oli ont inventé une expression MDR. Voilà, et après on peut voir. Bon, je vais zapper les 12 coups de midi tant que l'autre monsieur, je sais tout, sera là, ras-le-bol de ses explications à chaque question. Vous voyez, ça je vous l'avais dit, hein, quand il est arrivé, ce que les gens lui reprochaient, c'était de donner des définitions des réponses. Et puis là, en bas, vous avez les gens qui se plaignent qu'Arémilien est trop cultivé. Alors ça, c'est le truc le plus rigolo. C'est ça, c'est qu'en fin de compte, on lui reproche vraiment ses connaissances. Voilà. Et après, comme on peut voir, Émilien, c'est littéralement Monsieur Jeu, c'est tout. Popopo, Masterclass, c'est Émilien, n'en déplaise au rageux, il est très fort. Même quand il doute, il a bon, il garde son calme. Bravo, vraiment bravo, Émilien. Ça fait longtemps que l'émission n'était pas devenue aussi intéressante de la culture. Il est très balèze, Émilien. Émilien est impressionnant, 20 ans seulement. Bah, c'est ce que j'ai dit. Bah, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, mais bon, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer. Eh bien, ce maître de midi que je trouve incritiquable. Mais bon, on va bien trouver quelque chose, je ne sais pas, ses lunettes, ses chaussures, je ne sais pas, il faut qu'on trouve un truc à critiquer. Allez, je vous dis à plus tard, bye bye.